Nous avons la joie d'accueillir un prêtre polonais que beaucoup ont vu hier. Bienvenue. Welcome to you. Dieu, par ton sang, tu as racheté pour Dieu des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu en as fait pour notre Dieu un royaume de prêtres. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous reçoit ce soir dans son amour, dans sa miséricorde. Laissons-nous toucher. Laissons-nous regarder par le Christ et demandons-lui de nous guérir de nos infirmités, de nos péchés, qu'il nous purifie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit : Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a un certain temps, se leva Théda, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas, le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber.
Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. » Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et, après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne,
Et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondait, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en plus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et y remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes toujours dans le temps pascal, le temps où nous fêtons notre salut. Le temps où nous fêtons la résurrection du Christ, vainqueur du péché et de la mort. L'Église nous fait revenir sur la vie antérieure du Christ. Durant sa vie publique, il a enseigné pour convaincre, pour dire aux gens que la bonne nouvelle est arrivée. Dieu a envoyé son Fils en sa personne pour que le salut parvienne aux hommes. Et justement, il accomplit des signes palpables qui nous révèlent sa puissance et qui nous dit, voilà un homme capable, voilà quelqu'un qui est capable de nous nourrir, de nous sauver des situations angoissantes. La foule était nombreuse, affamée également. Comment les nourrir, une telle grande foule? C'est le miracle du Christ qui montra aux yeux du monde, de ces gens-là, que c'est vraiment lui, le sauveur attendu. Et comme à la fin, beaucoup reconnaîtront, c'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jean nous dit que Jésus ne s'est pas laissé accabler par ses honneurs, par ses pensées, car il fallait bien que l'Écriture accomplisse, il fallait qu'il souffre, qu'il meure en croix, et qu'il ressuscite le troisième jour. Et c'est pour cela que Jésus s'est retiré seul dans la montagne pour que l'Écriture s'accomplisse. En fêtant la résurrection durant ce temps, nous pouvons rendre gloire au Seigneur pour la confiance, la foi qu'il nous donne, de croire qu'il est là
pour nous sauver, présent dans nos vies, quand nous sommes en face des épreuves, quand nous sommes en face des situations difficiles, il est là caché. Faisons-lui appel. Il est là. Il va nous aider. Il va nous nourrir. Il va nous sauver comme il a sauvé tant d'hommes. L'on comprend pourquoi les apôtres étaient assidus à enseigner que le Christ Jésus est vraiment le Sauveur attendu. À lui honneur et gloire pour les siècles des siècles. Nous portons certainement des intentions dans nos cœurs. Nous les offrons au Seigneur, ainsi que les malades. Nous prions aussi pour le repos de l'âme d'Alina. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ce qui demeure toujours par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Au Seigneur notre Dieu. Cela est justement. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Oh,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles à ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Sur nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, à lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous redis encore aujourd'hui, je vous laisse la paix.
Je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis ton Église vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, le Sauveur, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion nous conduise à la vie éternelle.
Le Christ, notre Seigneur, livré pour nos péchés, Dieu l'a ressuscité pour nous rendre saints. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Prions encore le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés. Qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui verra avec toi et le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Chélie.